Salut tout le monde, c'est N27 et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur la démo de Naruto Génération, je sais pas quoi. Donc on a enfin eu la démo en France, donc c'est cool. Et ça fait déjà 2 mois qu'ils ont eu les Japonais et tout. On est juste un petit peu en retard quoi, pas des masses. Donc voilà, je vais découvrir avec vous ce petit Naruto. Donc on va laisser passer cette intro. Hein. Donc d'après les vidéos que j'avais vues, il avait l'air vachement bon. Donc on va voir ce qu'il donne quoi. Donc on va laisser là les petites intros juste pour voir. Et pendant ce temps-là, j'ai pas trop commenté. Voilà. Ah, déjà fini l'intro? Donc voilà, Ultimate Storm Génération. Donc voilà, en japonais bien sûr. Ça m'étonnerait que je le prenne en anglais. Donc, hop, nouveau Nenoké. Donc ça, on s'en fout. Hop, ça, on va laisser. Je vais arrêter de commenter. Tac. Ah, enfin terminé. Bon, ça je vais le faire péter, je pense. Ouais, on va le faire péter. On s'en fout. Donc là, d'après ce que je viens de voir, donc c'est le combat Sasuke Naruto qu'on avait fait déjà dans le précédent Naruto. Donc on devra logiquement refaire le combat Naruto Pain, si c'est normal. Enfin, dans la campagne, on devrait faire ça. Vu qu'on commence avec ce combat-là. Hop, chargement reste toujours assez long. Peut-être que je vais le faire passer le plus vite le chargement parce que c'est chiant. Donc déjà, ouais, donc là déjà je me fais déglinguer, c'est cool. Faut que j'arrive à trouver les boutons. Donc ça se bat exactement comme l'autre. Je viens de dire. Ouais, c'est ça. Ça se bat comme l'autre. Si je pouvais bouger, ça serait mieux cool. Alors donc on a LT pour les substis. Donc je sais pas si c'est, ça a l'air d'être facile à placer les subtils. Après on a les coéquipiers qu'on peut faire venir comme dans l'autre. Donc ça je m'en fous, moi je les fais pas des masses venir. Même si on peut faire vachement des bons combos avec ça. Je pense quand même pour la démo j'en ai pas l'utilité. Donc ouais, les feux c'est exactement pareil que l'autre en fait. Hein, c'est même style de combat, son chakra est pareil. Donc en fait on peut, voilà, il y a toujours les mecs qui vont faire en ligne Shuriken et après ils vont nous balancer leur Fury. Et puis après quand ils vont se faire démonter, je sais pas si on va voir le mode rage. On va voir si j'arrive à me le faire venir, vu que j'ai plus trop de vie là. Ouais voilà, on a l'air d'avoir
le mode rage. Donc voilà, comme d'hab en ligne, on va se taper des mecs qui jouent au shuriken et après ils se mettent en mode rage quoi. Donc c'est déjà ça, c'est chiant pour le mode en ligne. Voilà, déjà regardez comme d'hab quoi, Naruto abusé. Les mecs ils vont nous faire que ça. Par contre moi je suis pas très fan, c'est des maps comme ça là, super grandes. C'est chiant ça je trouve, mais bon après c'est vrai, ouais, faut que je me remette bien dans le bain. Donc voilà, c'est Naruto comme ça en Kyuubi, il est toujours overcheaté. Bon c'est un peu normal mais mais voilà, toujours abusé. Donc le combat, ok nickel, allez j'appuie sur voilà. Donc allez chargement. Le chargement là, je vais le faire péter je pense au montage. Et... allez voilà. Hop. Ah, cache là en Naruto en mode Hermite vs Pain. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, on se refait les combats qu'on avait fait dans le précédent. J'espère que quand même qu'on ira assez loin dans l'histoire. Pas du j'espère qu'on va affronter enfin Madara ou des trucs comme ça. Et voilà, bah, j'espère qu'on va vraiment avoir du combat du genre du Sasuke vs Bi, des trucs comme ça j'espère. Mais bon voilà, ça doit, je pense qu'il devrait le faire. Après on verra dans le jeu dans quelques jours si on les a quoi. Il a l'air vraiment bien sympathique ce Naruto, donc acheter je pense. Après, ah oui, j'en profite que je fais ce gameplay de Naruto pour vous proposer. Est-ce que ça vous tenterait que je fasse des vidéos sur Naruto, mais Naruto d'époque, mais voilà, tout en Jap et que vous avez sûrement jamais vu qu'il était exclusivité japonais. Voilà, que j'avais acheté il y a quelques années en Jap. Voilà, donc tout le jeu en japonais. Donc ça, si ça vous dit que je fasse des petits gameplay dessus, voilà. Pour moi franchement c'était le meilleur des Naruto que j'ai joué. Vraiment c'était le meilleur. De souvenir franchement c'était le meilleur des Naruto. Alors là il y a moyen que le mode rage soit énorme. Il est énorme le mode rage. Ouais, il a l'air énorme. Donc ouais, dites-le moi dans les commentaires si ça vous tenterait que je fasse donc ce gameplay sur le Naruto que j'avais de l'époque. Donc tout en Jap et tout. Franchement il était énorme et je pense que pas des masses de mecs a fait de personnes, de youtubeurs ou quoi, ont fait des vidéos dessus. Donc dites-le si vraiment vous voulez que je fasse des dessous. Moi franchement ça me dérangerait pas, ça me pourrait me faire revenir aux sources et tout sur le début de Naruto, franchement ça serait cool. Eh oui, le combat vs Madara, oh putain c'est magnifique. Voilà, Naruto vs Madara, j'espère qu'il est pas très très fort là. Bah déjà c'est pas le Tobi là, ça c'est clair, c'est vraiment le Madara. Ah tout ça c'est remarqué Madara, ouais. Il est vraiment en mode énervé là. Donc ouais, les subs si ouais, elles se sortent vachement bien là. Enfin, en ligne, si on fait des vrais combats, il y a moyen que les subs elles sortent à chaque coup quoi, jusqu'à ce que le mec il ait plus sa barre hein, comme j'ai là sur le côté que la barre soit vide. Donc voilà. Enfin, je pense que ça va pouvoir être pas mal les combats en ligne. À moins que ce soit vraiment bien énorme, parce que les subsides quand même à l'époque c'était un petit peu chaud à les sortir. Là, ils ont vraiment simplifié le truc, juste un bouton appuyé au bon moment pour sortir le substitut. Ah putain j'ai loupé. Alors, il a l'air vraiment pas mal là, j'ai pas envie de mourir en direct live de la mort. Putain vas-y. Oh, putain je peux même pas me transformer là en plus.
Je crois qu'il y avait le truc là, interdit de mettre le mode rage ou je sais pas quoi. Vas-y, clone à auto. Putain, mais merde, arrête de te barrer là, arrête le TP. Putain, vas-y. Putain, il a plus de vie, il a un pixel, oui, je l'ai niqué. Ouais, je suis pas mort. Ouf. Donc voilà, je pense que la vidéo va toucher à sa fin. Donc j'espère que ce gameplay, j'espère que ce gameplay vous aura bien plu. Et on se retrouve donc dans quelques jours, je pense, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Bye.